monde, bienvenue dans Palmis ak Mabou Lakay. Nous venons porter update pour sous papier ça, executive order ça que Donald Trump signé samedi qui était 8 août 2020 qui ça le dit. En fait, nous venons porter, nous venons comme t'as dit ça, détailler le bas pour comprendre. À la vérité, en pile monde a posé question. Bon, OK. C'est vrai que il y a des séries bagages pour décider. Est-ce que nous pourrons joindre $400? C'est tout le monde en bas. Réalité à mes amis, ou qui ne doit pas joindre $400. Ça veut dire que ça Donald Trump fait aller vraiment limité. Bah, clairement pas laisser rien. Surtout pour mon capitaine et en emploi maintenant là, nouvelle là c'est que ou qui ne doit pas joindre $400. So, en réalité, bagarre la plus compliqué. N'a pas les. On parle d'abord de emploi maintenant. Les plus compliqué que Jean Maison Blanche fait qu'on est là, comme quoi que eh bien. Et nous sauver, en l'aide de nous, en parlant de monde qui sont en emploi, ils ont délivré au bras de $400. Premier en emploi, maintenant, nous les rappelons son bagage qui était bipartisan, ça veut dire Sénat, député voté, et c'est pouvoir fédéral là qui était bail $600. Maintenant, ça vous comprend, dans sa fête là, c'est $400. Mais $400, c'est que c'était côté que vous vivez là, supposé bail 25% là dedans, ça veut dire $100. En clair, pouvoir fédéral là a bail $300. Déjà quand on voit Jean Bagal a commencé, vin compliqué. OK? Et premier bagage là, c'est que faut que state yo d'abord entrer dans yon accord, yon agreement, un financial agreement pour signer que y a bail 25% avec fédéral gouvernement là pour tout le monde qui en employé cap vive dans tête que y a vive là. Maintenant ça vous comprendre dans moment parle avec vous là c'est que parce que toute state nous connaît que on en situation financière assez difficile puisque coronavirus ça vous comprendre dévasté yo frappé économie yo. Donc au contraire state yo kouni là c'est aide y a demandé autorité fédérale là. Est-ce que vous comprenez? C'est dans contexte ça que nous avons vinn mandé stétio pour aussi un papier pour yo bay 25%. Or soit comprendre gagne des séries de state qui pas même ka fin payer ça n'a relé state en employment dans ça généralement qu'on gagne. Donc une bonne question stétio pas capable. Ça veut dire yo pas ka offrir tête yo pour signer papier ça. Ça t'a dit qui ça? Tout state qui pas cap entrer dans accord ça automatiquement ou pas la donne. Ça veut dire si state yo pas gain comme ça. Si yo pas gain comme là ou bien si yo pas vle entrer dans agreement ça avec federal government là. Donc c'est $0. Ça veut dire dans 400 ça c'est 0 ou pas la donne. Ça t'a dit ou still recevoir et ou still recevoir un emploi mais d'où? Ça veut dire ça général sans pas gain aide là qui toujours autour de m'ba qu'on est 50 70 150 ouais des 200 ça qu'on habitué recevoir parce que qui te gain et crise coronavirus qui pas gain on a pas maintenant c'est toujours existé. OK mais son petit bout de monnaie au bas et maintenant la vérité c'est que congrès a justement c'est stétio qui te mandé congrès pour te bailler comme encore la donne te gon affaire de $500 milliards pour aider yo dans budget yo. Ou ka comprendre? Donc c'est state qui t'a mandé comme dans moment mais fédéral a finalement des state pour bailler comme. Donc c'est une aberration. Et c'est une bagarre qui t'a fait discussion, fait que démocrate yo te vle bailler. On pile en fait on bon valet aide by state yo et bien gagner démocrate yo te vle bay n'importe $950 milliards pour state avec county ou pour pouvoir local yo alors que républicain yo pas de bay du tout à la dernière minute maison blanche te vle bay un bout de monnaie qui était $150 milliards ou ka comprendre qui différence qui gagne entre $950 milliards avec $150 milliards donc c'est une montagne de différence qui gagne yo et donc state yo t'a besoin bail out c'est dans moment ça Donald Trump a demandé yo pour aller chercher comme. Donc, nous avons déjà une problématique. Et nous connaissons des millions d'Américains qui appliquent pour un emploi. Ça a déjà
drainer ti ressources que ou te gagne déjà gagne 10 têtes là c'est prêté à prêter comme non mais département du trésor pour être capable de couvrir paiement ou comprendre ça qu'app dire là. OK, maintenant d'autres bagages encore qui fait qui entre dans complexité dossier ça c'est que règle congrès ça ça va là de Donald décision Donald Trump tout fait là c'est pas congrès à voter c'est pas congrès à qui autoriser une extension pour ça n'ta relé comme ça que la parler là state yo pral obligé vous vous voyez nous bien mettez sous pied un système qui entièrement différent pour être capable ba nous aide additionnelle ça après prendre pour nous pour nous comprendre dans qui ça nié là. Ça veut dire par exemple on en Floride là ou aller sous côté Florida employment pour faire pour appliquer maintenant dans cas ça on pas capable sur website ça encore non ou bien encore sur tal sur website ça website là capable obligé créer un sous même website là un espace particulier qui pour traiter ça me d'arriver de capable reler le Trump en employment me d'arriver comme ça donc qui sont comme en plus tout sur notre système pour gérer. Et yon dou que yon pa gen kob. OK? Donc nous ou déjà wè complexité. Et yon di state qui entre dans agreement. Hein? Donc lorsque vous pral construire yon new programme et que son bagage ki ka prend des mois ou pour mettre sous pied. OK. Donc en pile moun dit que donc pour que state yo ka fè ba la normalement faut une autorisation congrès a kon sa tout yo ka utiliser système administratif là pour payer justement et on a pas mettre ça. Donc, suivant le mémorandum, yon moun a recevoir $300 s'il qualifié pour $100 que state là paye, ça va aller là. OK? Donc, yon brand moun qui pa pla dan tout. Donc, voilà. Et ça vous comprendre, son baga qui ta pral prend temps. Et moun yon besoin kobe yon kounya. OK? Maintenant, yon nan bagay, an gade paywall. Paywall li pale ya, paywall tax cut la. Dabe nou comprendre bien zan abdi la. Mwen bak comprendre ni kon sa se kounya malwel. On ba yete chale. Paywall tax cut Donald Trump pale ya. Se bon tax cut vre, puisque l bagay autorisation kongre ya. Yon rele li, yon deferral. Après prendre pour nous mes amis deferral ça veut dire déférer ou reporter ou voyer dans l'autre date c'est comme quand on dit un pile taxe yo était supposé prendre pour chaque semaine yo pas prendre la semaine ça yo gen doit quitter 4 mois ou bien 3 mois passer pas prendre et puis yo va le prendre plus devant sous yo déférer y a toujours prendre sous quand même bay moun founette là yo va le prendre là ou mêlé bay te charger net ça parle là. Ça veut dire ou style gagner pour doué taxe ça c'est delay yo pral delay li même pense que son bagage là c'est en pile moun comprendre ni ça ta mérité pour aller en compte comment l'en compte la kounye là on va attaquer tout bagage en même temps li ka prend comme politique pour dire bon nous va l'empêcher mbay moun yo cob en employment là on va prendre politiquement la bagage pour même pense des citoyens ta supposé rele en moi pour causer ça côté que yo dit yo pas prend taxe pour nous 2 3 4 semaines 3 mois et pourtant des et bien doit tout à la faire mon alpine puisque yo dou son défermet yo fait yo déferil parce que style pral gagner pour douel tu on dit qu'on est là s'il e gagne élection la derrière font gens pour être capable pardonner et faire nous pas payer li pour être capable couper ça le dit mais c'est congrès qui gagne pouvoir ça maison blanche pas gagne. Mais on pense pas gagner. Maintenant,
dans tout ça Trump dit là gen youn la dan vraiment vrai cap délivré c'est student loan là student loan qui ça lié yo camper ou pas payer intérêt pas monter c'est ça seulement cap délivré qu'on te gagne déjà qui pas grand chose yo just ou pas payer ou pas still gagne pour payer à la différence yo dit intérêt pas monter bon li aider peut-être pour monde qui coincé connait là qui pas gagne comme du tout qui gagne student loan mais un monde qui te gagne comme ou te cap payer que ou payer sous cap payer parce qu'il va retirer après retirer le pour donc n'a quatre bagages qui fait là yo bon pas vraiment gagne youn qui va parler de éviction non et éviction là il dit bagaille pour pas mettre au dehors dans cas là qui t'est expiré pour juillet ça ne gagne originel au départ là il t'est couvrir mortgage qui t'est backed par federal fund non profit urban institute qui t'est estimé bon à couvrir à peu près 12 millions à sol et nouvelle mesure là que dit que c'est secrétaire de la santé et human service directeur CDC cap considérer si oui gain mesure qui de manière temporaire cap camper residential eviction yo parce que ou pas payer pas gain l'argent ou mettez côté pour aider renter et homeowner ça pour comprendre dans ancienne mesure là te gain petit cob yo te mettez tout te ca aider moun yo OK qui te ka ba ou des assistants de manière temporaire moun ka bataille mortgage et kay te gen kòb ou te ka ban un petit kòb en attendant OK donc nous ka comprendre que action qui fait samedi a son action qui purement politique qui pas délivré rien son action pour dire bon m'ra aller pour compte moi réalité a ça pour nous comprendre c'est que nous sommes en démocratie pas gain question roi pas gain question prince son système démocratique qui mandait que il faut que son deal qu'a fait ou dit un trillion moins 10 trillion 34 qui bagaille qui plus fait vous dit OK ou avancer un trillion m'a avancer de un trillion et comme ça bagaille vous faites en il va il va avec tes gens vlé ou même nada, il va jamais comme ça. Il pas jamais comme ça, il pas jamais comme ça. Faut que nous accepter rejouer rejouer là justement. Faut que nous accepter rejouer là. En pile monde compter parce que c'est une et toujours gain président dans pays, il a toujours gain congrès mais il est toujours arrivé venir encore lorsqu'il y a une crise. La crise là aiguë donc on fait encore m'vle fait tout moun yo comprendre que dans sak sorti là, gen yon bon bagay ki pa rezout. Yo pa rezout koze $1,200 nou an. Li pa rezout koze sandare le ouverture l'école, assistance pou state. Li pa rezout koze sandare le small business ki bezwen prêt. Yon bon bagay ki pa rezout executive order la. Et d'ailleurs, très certainement son bagay ki ka fini la justice puisque yo kapab questionner constitutionnalité, légalité de sak fait. Voilà guys, yon détail de décision ça qui se prend hier là. Restez connecté avec nous, toute dernière information n'a pote pour. Bye bye tout le monde.